Salut tout le monde, bienvenue pour ce tournoi, premier tournoi que j'organise du coup sur le jeu Medieval 2 Total War Definitive Edition. Alors le tournoi est simple au niveau des règles, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que c'est du 1 contre 1, donc quoi qu'il se passe on est en 1 contre 1. Il y a actuellement sur le tournoi, nous sommes 8 joueurs, donc il y a moi dedans plus 7 autres personnes. Dans le règlement c'est 1 contre 1, limite d'argent 10k, vous avez toutes les batailles, ce sont des batailles terrestres classiques, avec un maximum de 4 unités de cavalerie, 4 unités d'archer, enfin 4 unités d'infanterie de tir, donc tout ce qui est tir, voilà, c'est maximum de 4 unités. Pour la finale, quand il y aura la finale, ce sera du coup un siège avec interdiction d'armes de siège et de cavalerie pour le défenseur. Ensuite, au niveau de la période historique, on va être sur l'époque précoce, donc on va être sur du 11e, 12e siècle en termes d'armée. L'échelle des unités est très grande, du coup ça va faire des grosses batailles. Le terrain est au choix, mais il n'y a pas de bataille de guet, pas de bataille de pont et ou de fort. Et après, voilà. Donc après, les joueurs se démerdent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et en avant Guingamp. Me concernant, moi je vais du coup être le premier à me battre. Je serai contre Eonwë, donc à savoir le créateur du mode le Royaume d'Arda pour la bataille pour la terre du milieu. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, nous, on va se battre là tous les deux. Donc nous, on sera en vocal, tout ça. Pour les autres qui vont s'affronter, normalement, ils devraient m'envoyer leur rediffusion et je les commenterai ensuite en direct, du coup, sur Twitch. Et ensuite, vous allez en rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. À venir sur Twitch, bien entendu, pour pouvoir voir les différents tournois au fur et à mesure quand ils apparaîtront. Et en sachant que j'ai pris plein de tournois divers et variés, genre encore un tournoi bataille portée du milieu, un tournoi Mordo, plein de tournois dans le genre pour vous faire affronter entre vous. Unité. Donc bien après, j'ai prévu pas mal de petites choses. Cette carte là, ah oui. Ouais, canyon, elle est assez space. Tu veux qu'on combatte dans le canyon ou pas? Ah mais je m'en fous de où tu veux combattre, je vais te niquer, c'est tout. Arrogant. C'est la seule chose à retenir, je vais te niquer. Voilà. Quelle arrogance. Il y a quelqu'un qui a rejoint le vocal et qui est reparti. Ouais, mais il a dû comprendre qu'il y avait donc faut pas gêner. Unité. Unité en avant-marche. Gros port. Gros port. Pardon, je sais pas pourquoi ils parlent, les machins ils disent gros port en allemand. Ah, gros port. Donc moi me concernant, je joue du coup. Alors avant de se mettre sur la gueule, on fait juste un temps de pause vite fait, comme ça je peux dire ce que t'as comme unité et moi j'ai ce que j'ai. Bien sûr. Pour le truc. Alors me concernant en termes de faction, moi j'ai pris le Saint-Empire romain. Toi tu as quoi comme troupe? Moi j'ai pris du coup l'Angleterre. Toi tu as pris l'Angleterre, donc du coup on va avoir un combat classique entre le Saint-Empire romain et l'Angleterre. Et dès que la partie commence, là je vous dis les unités que chacun a pris. Donc vous remarquez que la carte est assez particulière, il y a pas mal de positions de coins à prendre en compte. C'est très vallonné. C'est très vallonné et ça va donner lieu à une bataille qui risque d'être peut-être très complexe. Voilà, moi je suis prêt, j'attends que lui il soit prêt. Ouais, j'ai presque fini. Ok. Ah, bah, les triers avec Pavoué! T'as retrié avec Pavoué, toi? Non, y'en a pas, ça, ils existent pas, les gars. Ils sont pas en précoce. C'est ce qui me semblait en précoce, je me suis dit, attends, y'a Pavoué. Oula, y'a quelqu'un qui vient d'apparaître. Qui est dans le chat, là? J'ai entendu un Pas de réponse de l'hôte Galetorn. Ah. Normal, c'est, j'ai déco, c'est tout. Enfin, j'ai. Fait un retour. Okay, Salut sur Pora, comment tu vas? Oh, du coup, ok, il y en a qui s'amusent à rentrer et sortir. Tu sais quoi? Ah, mais bloque le vocal au pire. Ah, oui, bah peut-être. Alors, par contre, toute personne qui débarque dans le chat, on évite de parler, s'il vous plaît, merci. Alors, attends, comment je fais pour bloquer ça, moi? Tu bloques l'accès au salon, enfin, permission. Tu pour everyone, au pire, pour everyone, tu désactives je sais pas, la vue ou l'entrée. J'ai mis voir le salon. Parfait. Ouais, personne ne le voit, c'est que nous. Très bien. Voilà. Donc toi, c'est bon, t'es prêt? Je finis juste de mettre bien mes unités comme je le veux. Allez, monsieur, allez. On vous attend, monsieur. Reste deux unités.
Hop. C'est tout bon, c'est tout bon. Très bien. Alors en termes d'unité... Oh, putain, mais il s'est foutu là-bas, lui. Ah, la blague. Ah, la blague. Alors en termes d'unité, du coup, me concernant, j'ai 2 unités d'arbalétrie du Saint-Empire romain, 2 arbalétriers d'archers, 2 arbalétriers de chevaliers féodaux à pied, 4 unités et 6 unités de vougiers lourds, ainsi que de la cavalerie normande, tout ça. Tandis que lui, de son côté, il a fait... Alors, il moi, a j'ai 4 unités de chevaliers lourds foutrement équipés, ok, les amis à balle à max, ok. Avec des vougiers. Enfin, ouais, t'as pris des archers de Sherwood. 4 unités d'archers de Sherwood, 4 de cavalerie chevaliers okay. Féodaux, 4 chevaliers féodaux à pied et 4 unités de vougiers lourds. D'accord. Et que la bataille commence. Bonne chance à toi. Pour l'honneur de l'Angleterre. Honneur dans ton cul, ouais. je vois que t'es carrément en défensive, donc tu flippes en fait. Ah non, mais moi je suis quelqu'un qui joue très défensif. Par contre, pourquoi sur formation écartée, c'est trop de balles. C'était pour formation normale. D'accord, mais avec ta cavalerie, je sais pas ce que tu veux faire avec ta cavalerie, mais c'est dangereux. Après, tu vois, je suis défensif, mais bon, je suis un peu aussi agressif, tu vois. Mmh. T'es agressif. Attends, mais je vais redéployer mon armée. Oui. Attends, c'est quoi les touches pour abaisser ou lever la vue? Moi j'utilise mon clavier et les touches fléchées pour me déplacer. Mais c'est ça qui... Le bordel dans mon arme cavalerie. Qu'est-ce qu'ils font ces imbéciles? Bah ils foncent dans le tas, voilà ce qu'ils font ces imbéciles. On se croira à Poitiers là, ça va pas du tout. Ah, si tu veux faire du Poitiers, c'est très malin ça. Mais courez, bande de cons. Allez, viens avec ta cavalerie, approche. Non. Non. Seul problème des Anglais, c'est le fait qu'ils aient des unités à distance qui soient vraiment broken quand même. Même en début de partie, c'est assez balèze. Ah, les archers de Sherwood, j'avoue que ouais, c'est pas de la merde. Hein. La musique épique. Ces archers qui commencent déjà à me canarder, il est planqué derrière sa colline, le bâtard. Allez hop. Mes archers qui ont très peu de portée. Eh, je t'ai bloqué une bonne partie de ta cavalerie là. Pas comme ça. Ils obéissent pas aux ordres. Courez, bande de cons. Hé.
Bien joué. Pas tant que ça, non. Ah, carrément des routes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bien. Fonce-moi dessus avec ta cavalerie sur mes lanciers. Très bien, ça. Super bien joué. Ah merde, mais pourquoi y a pas le cordon, pourquoi y a pas la trompette sur le général quand il est en à cheval? Je merde. Sais pas. Ça le fait ça. Ah hop hop, coursez-les. Oh oui, fonce-moi dessus. Allez au boulot les gars. Qu'est-ce qu'ils font ces cons là? Allez tirer hein. Hans Schneider. Ok, très bien. C'est le tournoi? Ouais, c'est le tournoi là. Là, c'est la première partie, c'est moi contre Eonwe. Oh putain, ils ont pas d'élan. C'est... Ah! C'est ma très, très grande faute! Ah! C'est ma très très grande faute! Ah! Ok. La bagarre. Allez, allez, faut tenir, faut tenir. Là, ils attaquent pas, mais bougez là, ça va pas. Ah, t'as ton unité qui fout le camp, parfait. Il y a eu des inscrits quand même. Oui, oui, on est 8. On est 8 inscrits. Et Onway, c'est disons l'inscrit de dernière minute. Ah, que ça peut être complété le... C'est ça, ça va être complété. Là, du coup, on est 8 inscrits. Ça fait le taf. Donc là, ça va. Ça, là, ça fait le travail. On tient. Là, la bataille est rude parce qu'il a, il a pris beaucoup d'unités de cavalerie lourde. Donc, ils font très bien le travail. L'infanterie lourde fait le tap aussi, hein. Ouais, l'infanterie lourde fait le travail. Je crois que je l'ai pas vu, ta petite cavalerie qui se balade derrière moi. Ah bah, j'espère que tu l'as vu. Mais évidemment que je l'ai vu. Bon, tes mecs sont en train de fuir, en majorité. Ok, très bien, l'assaut continue. Et en avant. Mais attendez, c'est bien la période précoce. Oui, oui, on est en précoce, c'est juste qu'il y a les chevaliers féodaux, c'est tout. C'est les chevaliers féodaux, c'est du précoce. T'es bougé, ils ont pas l'air d'être en très bon état là. T'inquiète pas. C'est bien, t'as des mecs qui commencent à quitter un flanc. C'est une bonne idée. Oui, mais tu mises sur qui? Ah, ça commence à miser dans le chat, ça y est. Il ne nous reste plus que la moitié de nos troupes. J'ai stoppé une partie de ta charge. Ok. Pas complète. Pas complète, j'ai dit une partie. Écoute-moi quand je parle. Ah, mais j'écoutais, très bien écouté.
Ouais, donc du coup, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal renforcé tes troupes en termes de, d'unités lourdes. Ça va, ton général, c'est non ? Il va bien, il va bien. Il est en point de vie, il a un peu mal, il a un peu mal, mais ça tient le coup. J'espère qu'il aime les flèches de Robin des Bois. Ouais. Notre général vient de périr. Ah, fait chier. Bon. Seigneur Galetorn s'est fait descendre par les archers de Sherwood. Ouais. C'est l'avantage des Anglais, ils ont beaucoup de troupes. Après, je t'avoue, j'ai essayé de faire une partie un poil histo quelque part. Voyons ma manière de faire. Très bons archers, infanterie de choc. Vous pouvez faire les archers de Sherwood, je pense pas que c'est vraiment existé ça. Ah, c'est la grosse différence. C'est des paysans un peu énervés quoi, disons. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent, tes gardes du corps du général là? Bon, ils attaquent c'est tout, ils ont que ça. Problème. Donc, ils viennent attaquer. Tu crois que je t'ai pas vu tes cavaliers de merde là? J'ai trop de temps à réagir. L'ennemi a été décimé de moitié. Ah. Ok, il dit que l'ennemi a été décimé de moitié, c'est nouveau. Ouais, moi aussi. Moi aussi, il l'a dit. Ah, mes archers sont pris en tenaille. Tant pis. Ça sort la déroute. La bataille est complexe. Ah, ils sont sur ton chat, toi. Ouais, t'as beaucoup de... En fait, c'est ta cavalerie lourde, comme tu l'as améliorée au maximum, ça a tout changé, en fait. Ah. Ouais, t'as réussi. Ouais. Là, ça a annoncé fin du match. Et t'avais plus d'hommes que moi. Oui, mais t'avais 4 unités de cavalerie lourde mieux améliorées. Et mes troupes étaient déjà essoufflées au début de la bataille parce que tu t'étais planqué à l'autre bout du monde, ce qui fait que ça a forcé mes gars à devoir monter. Ouais, ce fut une belle bataille. Un beau combat. Fut complexe. Bon. Mais pour la millième fois, qui gagne? Bah, c'est pas moi, du coup. Sinon, je serais en mode yes. c'est logique, le chat. Donc, du coup, c'était le premier match du tournoi. Comme vous voyez, la bataille fut compliquée, fut rude. Il a eu une bonne utilisation de sa cavalerie lourde, notamment qui était full pleine. Tandis que moi, j'avais essayé de faire une armée un peu plus hétéroclite. Comme vous l'avez remarqué, les archers de Sherwood, ça fait mal parce que c'est des archers, ça reste des archers de anglais qui tirent de loin. Même avec mes unités d'archers, ça faisait pas l'affaire. Malgré ma cavalerie, pour contourner, ça n'a pas fait l'affaire non plus. Donc là, pour le premier match, le premier à gagner, c'est du coup... le premier vainqueur, c'est du coup Eonwe, qui est le premier vainqueur de ce match. Que j'ai gagné ou pas, tant pis, c'est pas grave. Ça fait chier au niveau de l'ego, mais bon, on n'est pas à ça près. Ah, donc GG à toi en tout cas. Merci. T'es inscrit du coup pour la suite. Voilà, donc je suis éliminé, c'est comme ça, c'est les aléas du tournoi. Il a joué. Carrément éliminé. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, bah là, j'ai pas, dans les règles, j'ai pas mis qu'il y avait match retour. Hein. C'était éliminé. Tu perds. Donc là, si tu l'as pour là, le tournoi, tu veux gagner, faut te battre. Donc, il est stupide, tu l'as. T'as un tableau sur les combats entre joueurs. Oui, il est dans ordre de passage. Regardez, ordre de passage, juste ici. Attendez, je vous le montre. Voilà, tac, dans ordre de passage. Donc juste ici, que vous pouvez déjà voir. Donc en tout cas, bien joué à toi et Onoué. pour ça, donc ça te fait une belle victoire. Belle victoire à toi. Donc voilà. Nous pour YouTube, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de la. Pour la suite du. Il est stupide. Putain, il y a un abonné, il essaie de m'appeler, il est complètement stupide ou quoi? Je suis en live. donc du coup, on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain tournoi, pour la prochaine bataille qui sera, je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne sont pas encore organisés de leur côté, mais ça ne saurait tarder, je pense. Donc voilà, et normalement, alors je fais un truc, je vérifie juste de mon côté si c'est un truc qui est enregistré. Charger une partie, charger vidéo de bataille. Ah non, ça n'a pas chargé, ok. Chargé vidéo de bataille, chargé de bataille perso, non plus. Ok, y a pas le truc de vidéo de bataille du coup en ligne. Ah, c'est chiant.
Ok, donc il va falloir que les. Ouais, il faut que les mecs, ils aient... il faut que vous enregistrez vos batailles. Tu peux télécharger ton. Tu peux télécharger ton match aussi, hein. Ton live. Non mais moi c'est bon, je parle pour ceux qui feront le. Pour ceux qui feront le reste. Oui. Ok, ok. Pour ceux qui feront le reste. Donc là, oui, là ça, ça va être problématique ça. Ouais. Donc ça va être problématique. Donc du coup je remets le channel en permission visible de tous. Voilà. Très bien. Donc là pour le tournoi faut que je rajoute ça. Enfin bref, donc YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à venir sur Twitch, tout ça, comme d'habitude, comme ça vous pourrez voir tout ce qui se passe à l'avance et être prêt pour les futurs tournois, tout ça. Salut tout le monde, notre YouTube.